école demain? Non, impossible, chérie. C'est bien que j'ai mon train qui part à 7h57 pour Lyon. Il n'y a qu'à demander à Elena. Tu peux pas décaler ton billet? Non, tu penses bien. C'est la réunion qu'il faudra que je décale. C'est bien que c'est délicat. Mais directeur d'hôpital, on l'emploie tout le temps, fait des semaines à l'avance, donc tu penses bien. Tu peux pas rentrer plus tôt pour aller chercher les petites à la sortie de l'école et conduire Clara à son solfège? Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as à faire de si important, mon sang? Rien. Hein? Partir. Tu veux partir? Tu veux partir où? Partir. Dans un premier temps, partir. Où? Chut. Je ne peux pas le dire. Ok. Voilà. Il va falloir que tu me dises. Il va falloir que tu me dises ce qui t'arrive, hein. Je viens de lire un train pour la vie de Stella Brighton. Ah bah oui, d'accord. Ok. Oui, je vois pas le rapport là, tu vois. Mais c'est normal. Il faut l'avoir lu. Écoute, c'est l'histoire d'une mère danseuse qui son mari et ses filles pour vivre sa vie. Dis-moi, c'est génial ton livre. Et alors, je sais pas, mais genre, je te donne un livre où la mère, elle trucide toute sa famille. Ça te donne des idées aussi, peut-être. Mais non. Ah non. Mais t'es bête. Mais là, les points communs avec l'histoire sont flagrants. Oui. Nous avons deux filles. J'ai fait de la danse toute ma jeunesse et le père s'appelle Jean. Je m'appelle Pierre. Oh, mais deux noms d'apôtres. Attends, t'es folle. Non, attends, j'imagine que là, dans ton livre, lorsque la mère, elle plante toute sa famille, ouh, c'est la fête. Ouais, c'est génial. Hein? Elle souffre. Ah, tu vois. Il y a des moments de manque. Mais elle, au moins, elle transforme sa vie en destin. Parce qu'elle est libre. Parce qu'elle ne fait aucune concession. Non mais Martine, attends. C'est un livre. Hein, c'est un roman, c'est une vision, une projection, tu vois. C'est... Excuse-moi, mais le mois dernier, quand t'avais ta super gastro d'enfer, hein, qui vomissait un peu partout dans la maison. Ben, ça va, je suis pas venu te voir en disant... En fait, je viens de lire Belle du Seigneur et je trouve que nous sommes un peu trop différents derrière les solades, tu vois. Non, moi je ne peux plus. Je suis malheureuse, hein. Allez, Martine. Oh, allez, viens, allez, viens. Allez, viens dans mes bras. Viens, viens. Voilà, voilà, tu pleures, pleures. Voilà, voilà. Allez, là. Je vois bien que tu rames un peu en ce moment. J'ai l'impression d'être transparent. Qu'est-ce que tu dis là? J'ai l'impression d'être transparent! Ah, non, mais non! Personne ne se souviendra de moi. Je sais pas, moi. Je voudrais marquer ma vie par, je sais pas moi, un braquage, un attentat, oh, une chanson, n'importe quoi! C'est toi qui dis n'importe quoi! Mais attends. Tu m'as offert deux filles extraordinaires. Mais justement, quoi? Quand je les emmène au parc, j'ai le coup aux autres filles, je te promets, hein, elles n'ont rien d'extraordinaire. Oh là, évidemment, hey, bon, elles sont aussi banales que moi, tu m'as vu. Mais tu mériterais une bonne paire de, hein. Et bah justement, mais justement, tu ne me frappes pas, tu ne me grondes pas. Je suis en train de te dire que j'ai envie de tout quitter et toi, t'es là, t'es gentil, tu m'écoutes. J'ai rien à raconter à mes amis, mais rien, rien. T'as qu'à leur dire que je te tabasse tous les soirs. Plus il est drôle. Oh, allez, ça va, quoi. Oh, ouais, c'est génial. Ça va, je vois. Ah, bah, non, d'accord. Hé, tu sais ce que je te propose? Dis toujours. Eh ben, on va l'organiser. Ta disparition. Quoi? Ouais. Ouais, voilà. Alors, tu vois, on va préparer des valises, là, sans se presser. Ouais. Et on va te réserver une chambre au nom de Madame Brighton. Yeah. Dans une jolie petite ville. Mon fleur. On fleur, d'accord. Voilà. Donc demain, comme prévu, t'emmènes les petites à l'école, ok? Moi, je prends mon train, tu pars à 7h57. Quand tu reviens à l'appart, tu prends tes valises et tu files à la gare. Moi, je reviens à ta sœur et j'appelle ta mère complètement.
pas paniquer. Hé, fais attention, hein. Elle a des antennes. Oh, mais t'en fais pas, j'ai une centaine de pompes en appel, il va avec du feu. Oh, j'ai tout excité. Tu disparais pas plus d'une semaine, hein. D'accord, on va pas traumatiser les petites, hein, voilà. Et par contre, on va prévenir l'école. Les pompiers, les voisins, hein, voilà. Tu vas aller tout le monde. Si, ouais, peut-être pas, mais... Mais enfin, voilà, tu seras une putain de star. Et oui, mais attends, mais qu'est-ce qu'on va raconter à mon retour, là, parce que... Ah bah, écoute, à ton retour, c'est simple. T'as une semaine pour imaginer toute l'histoire. Oh, ouais, ouais. Attention. T'as droit qu'à une disparition tous les 20 ans, ok? Alors, tu n'hésites pas sur les détails. Ah ouais. Ouais. Un enlèvement par les brigades colombiennes. Non. Séquestré par un réseau de prostitution biélorusse. Non. Je sais. Une mission internationale au Zimbabwe que m'aurait confié Armistice International. Ouais, bon, on va s'en prendre PC, on va y réfléchir ensemble.